Salutations à tous, aujourd'hui nous sommes pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va écouter Stromae. Le son il s'appelle Santé, il fait son énorme retour là. On peut parler de retour parce qu'il a pas. Vas-y, donne-moi son dernier son qu'il a sorti sur sa chaîne officiellement. Ça date de... Il y a écrit 3 ans. C'était une bande originale, donc c'était déjà c'est une bande originale. Donc c'est extrait d'un film. Et sinon, le vrai son, enfin le vrai clip, c'est il y a 6 ans. Et son dernier son qui a cartonné le plus, c'était bah, son dernier album, tout simplement. Et ouais, bon, on peut parler d'années. Donc, gros retour. On a l'impression de voir ce que ça va donner. On a tellement entendu de choses sur lui que, bah, ouais, vous connaissez déjà, on va pas repasser tout le parcours, tout le truc. Voilà, il a eu beaucoup de complications avec le succès, etc. Donc il a voulu faire un temps de pause assez long, même si voilà, tout le monde l'attendait. Et voilà, c'était. Mais voilà, il a préféré ça pour lui, pour sa santé, pour ça c'était important. Donc on va checker ça. Ça s'appelle Santé. Est-ce que c'est par rapport à ça? Je sais pas. En tout cas, allons voir ça. Je suis très impatient, ce génie musical. Très attendu, que ce soit visuellement et musicalement, c'est ce qu'il est capable de faire. Donc, à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies, et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes aux vestiaires. Arlette, arrête, toi la fête tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas, pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, on est payé pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de faire. Appelle-moi ton responsable. Et fais vite, elle pourrait se finir comme ça. Ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. Beau message, hein? À ceux qui n'en ont pas. C'est pas une belle ambiance quand même. À ceux qui n'en ont pas. Frotter. Mieux vaut ne pas si frotter, frotter. Si tu ne me connais pas, brosser, brosser. Il y a toujours le truc de Stromae quand même. Il a gardé son truc et ça fait plaisir, franchement. Si tu ne me respectes pas, oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre. Le refrain est grave entraînant. Il passe un beau message. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion ou test de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les peurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Non, franchement, c'est cool, hein? Qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Je m'attendais pas forcément à ça, franchement. Je m'attendais pas forcément à ça, tu vois. Je me suis dit peut-être qu'il va être. Je sais pas, je l'aurais vu différent en fait le retour. Le refrain,
il est entraînant, le son il est entraînant. Je trouve la mélodie, en fait, même si j'accroche pas tout de suite, il y a un truc, tu vois, il y a quelque chose qui fait que ça va sûrement tourner en boucle, ça va rentrer dans le cerveau et que ça va plus te lâcher et que tu vas entendre partout à la radio, à la télé, etc. Et moi je sens qu'il a réussi son retour. Ça aurait pu être encore plus énorme, incroyable. Bon, c'est pas un banger, c'est pas, mais c'est du Stromae, voilà, c'est du Stromae, c'est faire du son. Il sait comment dire, il sait rentrer en fait dans la tête des gens pour que le morceau en fait il reste et qui tu vois, le truc qui va rester, tu vas kiffer même sans forcément kiffer au premier abord, tu vois. Et tout de suite je chante pas de joie non plus, mais il y a un truc, tu vois, et je sais que je vais entendre à droite à gauche à un moment donné. Le refrain, tu vas kiffer la petite mélodie là. Et voilà, je trouve que c'est un bon retour. C'est pas un retour non plus en fanfare, on va dire. Mais ça reste un très bon Stromae. Et moi, je trouve que c'est un très bon morceau. Et il passe un beau message aussi. Hein. Il passe un très beau message. Et peut-être qu'il a vu tout ce côté-là après. Je sais pas pourquoi il parle de ça. Pourquoi ça a été important pour lui de parler de ce sujet? Je sais pas. En tout cas, c'est bien de l'avoir fait. C'est bien de l'avoir fait. Et c'est vrai qu'on met pas l'accent sur ce côté-là. Parce que quand on fait de la musique, on veut le faire pour que les gens y kiffent, tu vois. Et quand tu vois que les gens ne peuvent pas forcément kiffer parce qu'ils ont certains soucis, certains problèmes, etc. Et d'autres facteurs, d'autres choses. Et bah, peut-être il a pensé à eux, tout simplement. Et il s'est dit, on va parler d'eux, on va penser à eux, voilà, tout simplement. On va mettre un peu plus l'accent dessus pour qu'ils kiffent et que les gens se reconnaissent dans ce morceau et que ça leur parle et ça leur touche. Donc voilà. Beau message, pas mal, bon son, c'est pas mauvais, je kiffe. Et voilà, bon Stromae. Rien à dire, lourd. Hein. Du propre, et le clip il est super bien fait, très bien réalisé. Très très bien fait. Et c'est kiffant en fait, tu vois, ces clips sont toujours aussi lourds. Pour moi, c'est une belle réussite, bon retour. Bon retour, bravo Stromae, franchement rien à dire. Et voilà, on attend la suite. Il a mis quelque chose dans la description, non? Pas de projet du tout. Et en tout cas, lourd. Et on attendait ça depuis longtemps. Et il est revenu et c'est cool. Donc voilà, on est content. On se quitte dessus. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.